Bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui sur euh, le chapitre 19 et donc un, un petit rappel sur les différentes réactions en chimie organique, donc euh, qui est au, dans, le chapitre, dans le programme de Terminal S, qui va, qui va bientôt changer puisque c'est sa dernière année. Et donc là on va survoler en fait le, les catégories de réactions, euh, comment les reconnaître, puis ensuite voir les mécanismes réactionnels, du moins une initiation aux mécanismes réactionnels. Donc c'est parti pour ce chapitre 19. Donc tout d'abord, il faut rappeler l'électronégativité. Donc en gros, dans une liaison covalente, il y a toujours un, un partage d'électrons, partage d'électrons issu de la couche de valence. Et il faut savoir que ce partage n'est pas égal. En fait, certains atomes ont plus souvent les électrons à côté d'eux plutôt que d'autres. Donc c'est pas un partage à 50-50 donc, en fait, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Pauling, qui a classé, euh, on va dire, euh, par ordre d'électronégativité euh, tous les éléments. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est les gaz rares que je suis en train de montrer ici, qui sont ici la dernière colonne en zéro, puisque les gaz rares ne, ne sont sur aucune molécule, ils, ils respectent la règle de l'octet, ils n'ont aucune raison qu'ils partagent leurs électrons, et donc ils ont, euh, ils comptent pas. Ils n'ont aucune électronégativité parce que aucun partage. Ensuite, vous avez un, 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 des chiffres, hein, donc ce qu'il faut comprendre ces chiffres, c'est plus on va vers le haut et plus on va vers la droite. Hormis les gaz rares, plus l'électronégativité va être forte. Donc globalement, on a le fluor qui est l'élément le plus électronégatif. S'ensuivent l'oxygène, ensuite l'azote et le chlore, et ensuite le, le carbone et l'hydrogène. Je cite principalement ces éléments parce que ce sont ces éléments qu'on va retrouver dans, en chimie organique. Qu'est-ce que ça donne ensuite Ça donne ensuite tout simplement que, par exemple, dans, 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 pour le chlore d'hydrogène, eh ben, c'est le chlore avec son électronégativité. Euh, de 3 contre l'hydrogène qui sera le plus électronégatif, donc on mettra un delta moins sur le chlore pour dire qu'il a plutôt les électrons vers lui, et sur l'hydrogène, on mettra un delta plus. Pour l'oxygène, on mettra un 2 delta moins, puisqu'en fait, il y aura deux charges positives, qui seront les deux hydrogènes. Donc ensuite, en, en chimie organique, on va se retrouver avec euh, deux sites, soit un site électronégatif, soit un site euh, électropositif. Donc en fait, le, le, le site électronégatif, c'est celui qui va être donneur d'électrons donc on va l'appeler le nucléophile et enfin enfin le site qui sera plutôt posit positif sera le site électrophile lui sera plutôt accepteur d'électrons donc on va euh, faire le mécanisme des, euh, avec les flèches courbes hein. on partira toujours du nucléophile à savoir celui qui est delta moins ou moins vers le plus vers l'électrophile car c'est lui qui va recevoir les électrons quand on donne quelque chose à quelqu'un on a plutôt tendance à tendre à la main pour donner plutôt qu'à prendre et attendre qu'on nous le donne. Donc voilà un petit peu comment, comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va voir les, les trois types de, de réactions qu'on qu a en chimie organique. La première, ce sont les réactions de, de substitution. Donc substitution, parce qu'on va remplacer un, un élément par un autre. Donc voilà pour la réaction de substitution. Donc voici un, un exemple. Donc déjà, première chose pour, pour connaître une réaction de substitution, vous compterez toujours autant de réactifs, il y en a deux, que de produits. Donc je répète, pour reconnaître une réaction de substitution, autant de réactifs que de produits. Ensuite, on va faire le mécanisme réactionnel. Donc le mécanisme réactionnel, comment ça marche On partira, comme je l'ai dit, toujours du nucléophile vers l'électrophile. Alors le nucléophile, ici, il est très voyant. C'est l'oxygène qui est chargé négatif. L'oxygène, quand il est chargé négatif, il est reconnaissable par trois doublés non liants que j'ai représentés ici. Maintenant, il faut trouver le... le le site électropositif, le site électrophile. Donc là c'est très simple, tout ça, ce sont des, euh, le carbone et l'hydrogène qui sont côte à côte, ils sont, on va dire, un partage équivalent d'électrons, 2,5, 2,1, il n'y a pas de um, différence majeure. La liaison qui est polarisée, c'est celle-ci, c'est celle entre le carbone hein, qui est là et le chlore. Ensuite, si on se rappelle euh, ce qui s'est passé pour euh, pour les les, euh, les euh, excusez-moi, je trouve plus mes mots, mais pour l'électronégativité, euh, pour l'échelle de Pauling, voilà, excusez-moi, on va donc avoir euh, le chlore qui va être plus électronégatif, hein, qui est euh, de 2,3. Donc sur le coup, ici, on aura un delta moins, mais il ne va pas être intéressant. On aura surtout ici un delta plus. Donc la première flèche qu'on va avoir, elle est ici. On va partir d'un doublé non liant de l'oxygène et on va se diriger vers ici, le carbone qui est delta plus. Sur le coup, ça, c'est une future liaison. C'est la liaison qui est ici. On va se retrouver avec ce qu'on appelle un. Un carbone à 5 pattes, ça c'est pas du tout possible. Donc ce carbone à 5 pattes va éjecter un élément, à savoir le chlore. Donc pour éjecter, comprendre qu'on va éjecter le chlore, puisque le chlore, vous voyez qu'il est chargé négatif, c'est-à-dire qu'il va repartir avec son doublé non liant. Donc pour faire comprendre qu'il va repartir avec son doublé non liant, on fait cette flèche là, qui va être le futur doublé non liant du chlore. Donc à la base, le, le chlore a 3 doublés non liants, avec là, ça lui fera 4 doublés non liants, et donc le chlore va partir. Donc on se retrouve bien avec une substitution, et voilà comment un peu on montre euh, le mécanisme réactionnel. On passe à la suivante, qui est la réaction d'élimination. Donc, la réaction d'élimination, en voilà un exemple. Donc, déjà, pour, pour connaître cette réaction d'élimination, cette fois-ci, on a plus de produits que de réactifs. Également, ce qu'on remarque, c'est qu'il va y avoir apparition d'une double liaison, voire d'une triple liaison si on avait une double liaison. Enfin, il y a quelque chose où on, on va perdre. Donc, ici. Euh, C'est H3C, mais ce que j'ai fait, hein, pour vous le montrer, j'ai plutôt éclaté le H3C en 3 hydrogènes. Donc 5 carbones avec 3 hydrogènes, et puis vous pouvez ignorer le, le H3. Donc, élimination, parce qu'au final on va perdre un OH et un H sur un carbone en alpha, c'est-à-dire sur un, un carbone qui est voisin à l'élément perdu. Donc, cette fois-ci, pour le mécanisme réactionnel, on a déjà le groupe électrophile, il faut trouver le groupe nucléophile. Le groupe nucléophile est tout trouvé, hein. c'est bien entendu l'oxygène, qui est delta-. -1. Je veux dire, sauf si le fluor, l'oxygène est souvent delta-. -1. Et donc, ça va vous donner ceci sur la flèche. Donc, on va partir hein, d'un doublé non-liant que je n'ai pas représenté pour l'oxygène. Et puis, donc, il va aller sur H. Ça, ça va nous donner le futur H2O. L'oxygène, il faut savoir hein, qu'il va partir avec son, son doublé, euh, doublé liant qui est ici. Et ensuite, perte d'un hydrogène. Donc, la perte de cet hydrogène va se mimer ainsi. Euh, on va voir ici la liaison qui va venir ici, ce sera la future double liaison. L'hydrogène est là, par tout seul, sans les électrons, donc c'est un hydrogène H, qui est ici, donc c'est lui qu'on va venir, et ce H, va ensuite attaquer notre molécule, etc. Donc voilà le principe de réaction d'élimination. On est même ici sur un cas particulier, car on pa quand on perd un, un H2O, on va parler de réaction de déshydratation. C'est un petit cas particulier de réaction d'élimination, on les reconnaît parce qu'il y a H2O en produit. En perte. Donc, je répète pour la réaction d'élimination moins de réactifs que de produits si on est sur deux réactifs et trois produits. La petite dernière, la réaction d'addition. Donc, la réaction d'addition, la voici. Donc, cette fois-ci, on a l'inverse. C'est-à-dire pour que la réaction d'addition, on a plus de réactifs que de produits. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. Donc voici un, un exemple de réaction. Donc cette fois-ci, on a également la disparition d'une double liaison au profit de liaison simple, puisqu'effectivement, on était là sur une liaison qui était euh, insaturée, c'est-à-dire qu'on pouvait encore euh, rajouter des choses. Vous avez sûrement entendu parler de graisse saturée et de graisse insaturées. En fait, ça vient de là. Des graisses insaturées sont des graisses qui ont des doubles liaisons. Et des graisses saturées, ben, ce sont des, euh, des molécules où il n'y a plus de double liaison, où tout est saturé, on ne peut plus rajouter d'éléments. Donc là, on sera sur une molécule qui sera dite saturée. Donc qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci euh, cette molécule est apolaire, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a ni delta plus ni delta moins, donc, mais à un moment donné, les électrons vont être soit sur ce carbone-là, soit sur ce carbone. Donc, ici, dans mon exemple arbitraire, le brome, qui est euh, bien sûr le groupe nucléophile, va aller sur ce carbone, puisque vous voyez que c'est sur le carbone de droite qu'on a, qu a le brome. Donc, ça, c'est la première liaison qui va se passer, et ensuite, la deuxième, c'est que maintenant, cette double liaison n'a plus raison d'être, elle va plutôt se consacrer, donc, c'est ça qui va finalement faire office de nucléophile aller sur l'hydrogène qui est l'électrophile. Ce qui fait que là, on a l'hydrogène qui est là, hein, qui n'est pas représenté parce qu'on est topologique, et le brome qui est là grâce à cette liaison. En fait, il faut toujours comprendre que les flèches, quelque part, ce sont des futures liaisons. Donc pour faire les mécanismes réactionnels, vous avez souvent à regarder les produits. Donc, un petit, un petit coup de, de résumé. Donc, réaction d'addition, plus de réactifs que de produits. Réaction d'élimination, plus de produits que de réactifs. Et enfin, la réaction de substitution, c'est autant de réactifs que de produits. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce petit rappel vous a aidé à mieux comprendre le cours. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.